Pendant une cérémonie qui déroulait jeudi soir dans le Caribbean Convention Center, la communauté haïtienne-arabe a lancé officiellement Chadec, Centre haïtien pour développement, éducation et kilti. Mission selon responsable, c'est faire promotion, développement, éducation et kilti dans le pays. Plusieurs personnalités, tant que ministre de la Santé publique, la Dr Florence Duperval-Guillaume, ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, businessman et responsable média, t'es parmi plus passé une centaine de monde qui étaient dans l'assistance là pour tant des discours et apprécier spectacle. L'idée pour mettre sans ça sous pied, c'était rêve moins, déclaration présidente là Anne-Marie Issa. Femme d'affaires a dit qu'il était quoi ses collaborations en tout haïtien sans considération sous différence originaux, cap et des rêves ça après dimension le tout bon. Yon extrait dans l'intervention Anne-Marie Issa, dans le micro original de Jean-Louis. Le centre dont je rêve depuis longtemps et qui, grâce à nos membres fondateurs, entre autres M. Georges Daguerre, trésorier, M. Jean Lycéan, conseiller, est maintenant une réalité. Chers invités, ce centre qui est apolitique et à but non lucratif, dont l'objectif est de promouvoir le développement, l'éducation et la culture, existe maintenant. Cependant, pour qu'il atteigne son but, ses objectifs, en plus de nos contacts avec des fondations vouées à la santé et à l'éducation dans des pays amis d'Haïti, capables justement de nous encadrer, le plus important pour nous est la collaboration de vous tous. Je cite, la collaboration des Haïtiens d'origine africaine, la collaboration des Haïtiens de différentes origines, la collaboration des Haïtiens d'origine arabe, libanaise, syrienne, palestinienne, jordanienne et juive, la collaboration de la communauté arabe naturalisée haïtienne, la collaboration de la communauté arabe nouvellement arrivée en Haïti, notre pays d'accueil. Oui, chers invités, c'est ensemble, vous et nous, avec la partition de vous tous, que nous arriverons à relever ce défi. Le défi, c'est celui de promouvoir l'éducation, la santé et notre culture dont nous sommes tous fiers. Mon amour, mon attachement pour mon pays Haïti et l'affection que je porte à mes origines arabes ne sont pas à démontrer. Vous pouvez compter sur moi, aussi bien sûr sur nos membres fondateurs qui embrassent cette cause.